Je m'appelle Colline Golo, je fais de la peinture, de l'écriture, de la céramique, plutôt sous forme d'installation. Je m'intéresse aux lieux communs, à des thèmes qui sont assez universels, assez communs, sur lesquels on peut discuter. Ça peut être la famille, l'amour, des choses qui un peu rassemblent les gens. Et surtout, j'essaye toujours de commencer un projet par quelque chose que je pressens. Et ensuite, je vais essayer de créer des entrevues, des rencontres. Et ça, c'est vraiment la base de mes recherches. Là commence un confinement. Et donc, la base de ma recherche, qui est l'entrevue et la rencontre, se voit un peu heurtée par cette espèce de faille collective qui, d'un coup, en fait, fait que je suis isolée chez moi, seule, et que du coup, j'ai plus tout ce rapport, en fait, à l'autre, etc. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, de quoi j'ai envie, où est-ce que j'en suis, etc. Et je décide de vraiment, je pressens que j'ai besoin et envie de m'intéresser justement à l'absence de l'autre, à sa présence, à essayer de penser comment je vais articuler ce moment particulier avec le monde extérieur, en fait. Ça va être le début de ce qui va être au final la série We Transfer. Cette série, c'est trois choses. C'est une série de peintures, une série de céramiques installées et c'est une vidéo. La série, en fait, de peintures, c'est des grands tableaux qui représentent des drapés, des sortes de draps comme ça sous lesquels on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose ou quelqu'un. Et en fait, ce motif du drapé m'est apparu à ce moment-là important parce que je trouvais qu'il montrait bien un peu l'ambiguïté de ce qu'on pouvait ressentir dans l'absence de l'autre. Puisque en fait, dans une forme comme ça de drapé, ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas s'il y a quelqu'un ou pas. Du coup, on ne sait pas si c'est l'absence, la présence. Et surtout, on ne sait pas si on en a peur ou si on en a envie. Et ces drapés, comme ça, me font un peu réfléchir à la notion de la peau, au fait que je me sens isolée, au fait, en fait, qu'on est loin des autres, qu'on n'est pas forcément touché. Et en fait, il y a vraiment ce moment un peu de trouble qui, lui, m'amène à penser une deuxième œuvre. Et donc, je vais avoir une réflexion sur la tactilité, en fait. Sur comment ma peau, en fait, elle est isolée de l'extérieur. Et comment est-ce que je peux trouver une solution, un peu pour créer une prothèse de peau. À ce moment-là, je suis dans mon appartement et j'ai peu de choses, mais j'ai du grès. Et donc, je me décide à fabriquer des sortes de tissus de grès. Donc, en fait, je vais vraiment étaler du grès sur de la toile à peindre pour vraiment qu'elle soit plate. Je vais utiliser une bouteille parce que j'avais pas de rouleau à pâtisserie. Et en fait, je vais vraiment le poser sur ma main et appuyer et essayer comme ça en fait de retrouver autant une sorte de tactilité que aussi, puisque je vais devoir attendre que ça sèche et attendre que ça prenne, une sorte un peu de calme. À ce moment-là, je me décide en fait à tenter une expérience. De demander à des hommes en fait que j'ai désirés de plein de façons différentes hein. C'est vraiment des hommes qui ont traversé ma vie à un moment. Je leur ai envoyé un mail en leur expliquant que j'aimerais qu'ils m'envoient une vidéo d'eux, du coup allongés sur leur lit, de dos, et qu'ils soient comme en train de poser pour comme me donner un moment de peau. Et donc du coup je vais collecter ces vidéos pour faire cette espèce de collection un peu de moments d'attention. Parce que ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est qu'on est dans une vidéo qui a été faite pour une personne, du coup une vidéo à destinataire, et que c'est vraiment plein d'attention et de bienveillance. Et du coup, je retrouve un espèce de don presque tactile, mais à travers du coup un écran. Quelque chose qui a été important dans cette compréhension de cette série, c'était l'appellation de We Transfer. Si j'avais appelé ça comme ça, c'est aussi parce que l'appellation de transfert, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'on l'utilise dans le transfert des personnes, dans le transfert avec un analyste, enfin, il y a toujours là un rapport comme ça à l'autre. Et dans le rapport au fichier, ce qui était intéressant, c'est que il y a vraiment la notion d'aller-retour. Du coup, le transfert, ce serait ni l'un ni l'autre, ce serait le milieu. Et je trouvais ça intéressant de repenser en fait le rapport à l'autre. Et vraiment cette série un peu sur vraiment ce qui se passe au milieu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas moi qui attendais quelqu'un, c'est pas l'autre qui m'attendait, mais c'est d'essayer de réfléchir à ce qu'il y avait de mélangé entre les deux.
Et c'est ça qui m'est apparu important de questionner à ce moment-là.